nous impose la jeunesse enchaînée toute l'année. Incarcéré, jugé, mal inséré. Ben, on est arrivé, fatigué, des soucis plein la tête. Ah, la fatigue surtout, la fatigue. On n'est pas venu seul, hein, même si on a laissé Alonz et Vince à Marseille, ils ont raté deux fois le train. Oui, on a amené le soleil. Et là, complet. Hein. On va faire un peu la promo du DVD qui sort le 23 avril autour des Cités d'Or. Et voilà. Bienvenue en Cosmopolitanie, là où des familles de diverses cultures. Malgré le manque d'économie, tu verras toujours des darons régler les problèmes de gastronomie. Ça fait 3 semaines qu'on cavale, pas le temps de se poser. Et voilà, avec l'épouse, on va se poser dans la chambre tranquille. Un peu de musique. Une petite chicha au raisin, et voilà, tranquille, la routine. La proximité, tu sais de loin, tu peux pas aimer. Je suis la mise à jour de mon quartier, je le vois mourir, le plus renaître. Quand les frères viennent à se marier, oula, ils sont trop beaux nos héritiers. Chicha, tranquillou, un peu de son, on va s'allonger, voilà, on va kiffer un peu tranquille. Ben, la tournée, ça s'est tellement bien passé qu'on devait s'arrêter au mois de décembre. Et que là, on est reparti sur les routes pour les festivals jusqu'au mois d'août. Donc voilà, ben on a enchaîné. Ce week-end, on était à Madrid. Là, on repart en Suisse. On repasse par Paris samedi. On enchaîne. Les concerts, ça se passe bien. Le public, ils sont là. On était à La Réunion aussi il y a une dizaine de jours. Décembre dernier, on a fait pour la troisième fois le Dôme de Marseille. Et Machallah, cette fois-ci, il était rempli. On a même dû faire passer des gens par des voies non officielles pour les faire entrer. Mais ça, tu le verras, c'est aussi sur le DVD. Voilà, c'est un kiff de jouer à Marseille, de jouer devant ton public, devant ta famille, tes amis. Et ça a été notre premier public, Marseille. Donc quelque part, faire le DVD là-bas, c'est tout à fait normal. Même en pleine émission, on est toujours en retard. Mais bon, hein, on est à l'heure. On a raté deux trains. On habite dans les quartiers nord à Marseille. Donc pour descendre, s'il y a des embouteillages, on est un peu dans la merde. Ils ont raté deux trains. T'imagines? Deux trains. On a fait un peu la sieste, on s'est endormi. C'est dur, hein. Je jure que c'est dur, hein. Soleil comme ça. Pour le premier. Mais voilà, on est là, on charbonne, on va défendre notre DVD. Mais bon, comme tu vois, on n'est jamais à l'heure. Je crois que c'est le syndrome comorien, ça. On aura toute la jeunesse de France, ceux qui se reconnaissent, qui traînent en bas des blocs et pensent qu'il faut pas qu'on se taise. Ben là, on va à Universal, on va faire un peu la promo. Même si on les blesse, j'ai parti de cette jeunesse en défaillance, sans complexe, où l'on pense que nos causes auront leurs conséquences. On est la vitrine du foot France, la famille. Et vous le savez, tout, au fond de vous, tous les Français le savent. On va en conférence de presse, on va défendre notre projet, notre DVD. On va parler de ce qu'on aime le plus dans le rap. La scène, le public et voilà quoi. Bon, mais attention la famille, ne mélangez pas tout. Hein. Il y a le foot et le rap. Hein. On ne peut pas avoir des nœuds dans les forums, hein, je le sais comment ça se passe. Prends pas exemple sur nous, crois pas qu'on est juste et droit. Comme toi, on pleure nos contradictions à genoux. On est tous conscients du mal qu'on fait. On va enchaîner, je crois, jusqu'à 8h, là. Jusqu'à 20h, tranquille. Mais on est rodé. Et de l'oublier, de pouvoir rassasier. On est tous conscients du mal qu'on fait. On sait, mais on fait. Bon, Fred Mouza, ben, c'était les psychiatres de la rime. Hein? Pour le tour des cités de Sia Style, Alonzo, hein? Vincenzo et Soprano. Merci. Pas compris. Hein? Ah, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Merci. Il a voulu dire qu'on est une seule personne. Voilà, c'est bon. Autour de tout, t'as compris. Une seule personne. Bon. Merci. Ça fait plaisir. Et voilà, c'était pour dire merci d'être passé. Pas. Et comment ça s'appelle? N'oubliez pas le DVD et le CD live dans les bacs. Pas le 23 comme Jordan. Et comme vous avez pu l'entendre avant. Il y a le CD aussi, hein. Ouais, CD live. Fred, vous êtes pas bien dans le classement.